Bienvenue encore sur votre chaîne Science Solution TV. Aujourd'hui, nous allons corriger un exercice qui est pour sur les racines carrées. L'exercice, on nous donne à calculer A qui est égal à 2 moins racine de 3 et B égale au carré et B égale à 2 plus racine de 3 au carré. Déduire de la question précédente une écriture simple des réels A et B. Une écriture simplifiée, là c'est simplifié, une écriture simplifiée des réels A et B. D'abord, pour la solution, nous allons calculer d'abord A. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Là, la solution. Calculons. Là, c'est la première question. Calculons A, petit a et B. D'abord, A, on a dit que c'est égal à 2 moins racine de 3. De tout au carré. Là, on a A moins B de tout au carré. Donc, c'est A au carré, c'est 2 au carré moins 2AB. Donc, c'est 2 fois 2 racine de 3 plus B au carré racine de 3 de tout au carré qui est égal à 2 au carré, c'est 4 moins 4 racine de 3 plus 3 racine de 3 de tout au carré plus 3 qui est égal à 4 plus 3 moins 4 racine de 3 qui est égal à 7 moins 4 racine de 3. Donc A égale à 7 moins 4 racine de 3. De même, nous allons calculer B égale à 2 plus racine de 3 de tout au carré qui est égal à 2 au carré, c'est A plus B, plus 2 fois 2 racine de 3, donc c'est 2AB, A égale à 2, B égale à racine de 3, plus B au carré, racine de 3, de tout au carré. 2 au carré, c'est 4, plus 2 fois 2, racine de 3, donc c'est 4 racine de 3 plus racine de 3 de tout au carré égale à 3. Donc c'est égal à 4 plus 3 plus 3 plus 4 racine de 3 égale à 7 plus 4 racine de 3. Donc B égale à 7 plus 4 racine de 3. Et pour la question 2, on demande écriture simplifiée, écriture simplifiée de grand A et grand B. Le grand A et grand B. Là, grand A, on a dit qu'il est égal à racine de 7 moins 4 racine de 3. C'est ça qui est grand A. Là, si vous remarquez bien, c'est grand racine de 2 moins racine de 3 de tout au carré. Mais n'oubliez pas que quand on a racine de A de tout au carré égale à A, si A est positif, racine de A de tout au carré égale à moins A si A est négatif. Maintenant, pour voir si nous allons obtenir 2 moins racine de 3
égal à 2 moins racine de 3 ou moins, entre parenthèses, 2 moins racine de 3. Nous allons d'abord étudier, nous allons comparer 2 et racine de 3. Comparons 2 et racine de 3. Si 2 est plus grand que racine de 3, dans ce cas, nous allons obtenir racine de 2 moins racine de 3. Grande racine de 2 moins racine de 3 de tout au carré égale à 2 moins racine de 3. Si 2 est supérieur. Maintenant, si racine de 3 est supérieur à 2 racine de 3, dans ce cas, nous allons obtenir a égale à moins, entre parenthèses, 2 moins racine de 3. Donc, on va comparer les carrés. Pour comparer 2 et racine de 3, nous allons comparer le carré de 2 et le carré de racine de 3. On a 2 au carré égale à 4 et racine de 3 de tout au carré égale à 3. Ce qui veut dire que 2 au carré moins racine de 3 de tout au carré égale à 4 moins 3 égale à 1, qui est positif. Dans ce cas, 2 est supérieur à moins racine de 3. Est supérieur à racine de 3. Ce qui veut dire tout simplement que a qui est égal à racine de 2 moins racine de 3 de tout au carré égale à, puisque 2 est supérieur à racine de 3, ce qui veut dire que 2 moins racine de 3 est positif. Et 2 moins racine de 3 est positif, ce qui veut dire que là, a est positif, c'est égal à 2 moins racine de 3. C'est ça, l'écriture de A. Et B égale A. Racine de 7 plus 4 racine de 3. Et c'est égal à racine de, si vous rappelez bien, 2 plus racine de 3 de tout au carré. Là, on n'a pas de problème parce qu'on a deux nombres positifs, la somme. 2 est positif, 3 est positif. Donc, ce qui veut dire que 2 plus racine de 3 est positif. Donc, la racine, c'est 2 plus racine de 3. Donc, le seul cas où vous allez comparer, c'est là où on a moins. Donc, si vous avez moins, donc, il faut comparer cette valeur-là et cette valeur-là. Si cette valeur-là est positive, vous gardez l'or. Si cette valeur-là est supérieure à cette valeur-là, vous gardez l'or. Ça veut dire que 2 moins racine de 3. Maintenant, si cette valeur-là est plus grande que cette valeur-là, dans ce cas, vous changez, vous mettez moins devant 2 moins racine de 3. Et après, vous développez le moins. Donc, B égale à 2 plus racine de 3. A aussi égale à 2 moins racine de 3. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Ciao. Bye bye.